crois qu'elle avalait une bouteille de déboucheur dévié. Ah, moi j'ai entendu dire qu'elle était tombée dans un puits. Allons, allons. Mon Dieu, elle a encore dû se faire plaquer. Les enfants, je ne resterai pas longtemps. Je rentre à l'instant de chez le docteur, j'ai la maladie de Lyme. Le proviseur Skinner vous fera la classe jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant. C'est quoi la maladie de Lyme? Laissez, je vais répondre. La maladie de Lyme est propagée par de petits parasites appelés tiques. Lorsqu'une tique porteuse de la maladie se colle à vous et commence à vous sucer le sang, des spiroquettes virulents infestent alors votre sang et peuvent même se répandre dans votre cerveau. Le cerveau? D'où Jésus? Ouais, c'est dégoûtant. Rentrez chez vous, Elisabeth. Très bien, à nous deux, les enfants. Ouvrez votre livre. La maladie de Lyme était d'origine psychosomatique. Ça veut dire que vous étiez folle? Non, ça veut dire qu'elle l'avait inventée. Non, en fait, c'était un peu des deux. Parfois, quand une maladie est dans tous les magazines et dans tous les journaux télévisés, il est naturel de penser qu'on l'a attrapée. Oui, monsieur Bergstrom. Ça, je l'ignore. Si je...